Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter et vous donner mes impressions sur le casque Corsair Virtuoso RGB Wireless. C'est un casque 7.1 virtuel qui se trouve dans le segment haut de gamme de la marque et qui, comme vous allez le voir, a pas mal de qualités intéressantes comme la compatibilité PC, PS4 et même PS5, mais aussi avec les appareils mobiles dotés d'une prise jack 3.5, car attention, il n'est pas compatible Bluetooth puisqu'il utilise la fameuse connexion Slipstream Wireless de Corsair. Vous pouvez le trouver en version noire comme ici ou en blanc aux environs de 180 à 190 euros, mais aussi en version SE couleur gris acier ou cappuccino, là aux environs de 200 à 210 euros. A savoir que cette édition spéciale est techniquement identique au niveau de l'écoute, il y a juste une minuscule différence au niveau du micro et du packaging qui contient une sacoche en tissu pour le stocker ou le transporter. Alors maintenant, que contient cette jolie boîte? Quelles sont ses fonctionnalités, avantages et inconvénients? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Comme vous le voyez, la boîte est très jolie, mais pour une fois, je vais vous épargner mon côté fétichiste pour aller droit au but et voir directement ce qu'elle contient. On enlève donc le fourreau et ensuite le couvercle de la boîte. Alors, on y trouve en premier le casque avec de petites bandes de plastique pour protéger le tour des écouteurs, mais pour le moment, on va poser tout ça de côté et on regardera le reste en détail par la suite. En dessous, on a une petite mousse de protection que l'on va enlever également pour découvrir une boîte contenant le reste des accessoires. À l'intérieur de celle-ci, on trouve un petit plastique avec le manuel d'utilisation et d'autres documents. Un câble USB-A vers USB-C qui servira à le faire fonctionner en mode filaire, mais aussi à recharger la batterie qui pour info a une autonomie de plus ou moins 20 heures, ce qui n'est pas mal du tout. On a un dongle USB pour la communication Slipstream Wireless de Corsair qui reconnaîtra automatiquement le casque et tout autre accessoire sans fil de la marque, et celui-ci est doté d'un logo lumineux qui s'allumera en blanc si la connexion est bien établie et en rouge ou éteint s'il y a un souci. On a un micro qui, comme vous le voyez, est amovible et qui propose un bouton mute, très pratique. Moi par exemple, comme j'utilise souvent mon Bird UM1 un peu pour tout, je ne m'en servirai pas beaucoup, mais je vous ferai écouter ce qu'il vaut un peu plus loin dans la vidéo. Et finalement, un câble jack 3.5 qui vous permettra entre autres de le connecter à un smartphone ou à un autre appareil mobile. Regardons maintenant le casque de plus près et la première chose qui saute aux yeux et qui a en grande partie déterminé mon choix, c'est sa qualité de fabrication et l'impression de robustesse. Comme vous le voyez, le système d'attache au niveau des oreillettes est en aluminium, ce qui garantit une solidité accrue à l'ensemble et donne en prime une superbe finition que je trouve vraiment très très classe. Pour moi, c'est un énorme point positif car beaucoup de mes casques, même parfois de plus de 200 euros, cassaient à cet endroit. L'arceau du dessus est très solide et malléable, comme vous pouvez le voir. Il est recouvert d'une fine couche de cuir ou quelque chose qui y ressemble, et je dois dire que c'est assez peu rembourré. Je vous rassure, même si cela jouera évidemment sur le confort global, cela reste très correct grâce à son poids relativement faible, de plus ou moins 370 grammes. Sur le côté extérieur des oreillettes, on retrouve le logo de la marque avec une petite cerise sur le gâteau. Celui-ci est équipé de LED dont vous pourrez changer la couleur via le logiciel IQ. Bon, ok, c'est totalement gadget car une fois le casque sur les oreilles, vous ne le verrez pas. Autre point positif au niveau des charnières, c'est qu'en plus d'être solides, elles permettent de faire pivoter les deux écouteurs afin de les ranger plus facilement. Les mousses qui entourent les écouteurs sont très confortables, souples et à mémoire de forme. Celles-ci épouseront donc parfaitement la forme de votre tête, tout en vous isolant plutôt bien du monde extérieur, avec toujours cette matière ressemblant à du cuir très très fin. Pour ce qui est des connectiques, je dois dire qu'il y a l'essentiel et c'est tout. On retrouve une molette sans blocage pour régler le volume du son. On a un tout petit interrupteur ici à deux positions, une pour le faire fonctionner en mode sans fil via le dongle USB et une autre position avec le logo USB. Cette dernière vous permettra d'éteindre le casque si celui-ci n'est pas branché avec le câble ou de l'utiliser en mode filaire tout en rechargeant la batterie. A savoir que si vous utilisez le casque en USB, la qualité sonore sera légèrement supérieure par rapport au mode sans fil. Sur l'autre écouteur, on retrouve une connexion mini USB pour brancher le micro du casque, une prise jack 3.5, une toute petite LED qui vous indiquera l'état du casque et finalement une connexion USB-C pour le recharger et ou le faire fonctionner en mode filaire. Donc, comme je le disais, il y a juste l'essentiel et rien de plus.
Passons maintenant au plus important, c'est-à-dire le son. Et là, j'avoue que mes premières impressions ont été assez décevantes par rapport à ce que j'attendais de cette gamme de casques. Le son était certes correct, mais il manquait quelque chose à mon goût, et pour cause, par défaut dans le logiciel IQ, l'égaliseur de fréquence était en position neutre. Du coup, en choisissant une des égalisations prédéfinies ou en faisant ses propres réglages, tout est devenu beaucoup plus sympa pour mes oreilles. Dans une utilisation gaming, il fait vraiment très très bien le travail. La spatialisation du son 7.1 version Corsair fonctionne plutôt bien, même si c'est pas exceptionnel. Mais là où je l'ai vraiment super apprécié, c'est en l'utilisant avec ma licence Dolby Atmos. Tant que je suis dans les réglages, il faut savoir que le casque travaille dans des fréquences variant entre 20 et 40 000 Hz, ce qui est simplement le double de ce que font la plupart des autres casques qui eux vont maximum jusque 20 000 Hz. Autre petit détail qui intéressera les fans de musique, même si les gamers trouveront aussi leur compte, c'est que comme je le disais plus tôt, si vous l'utilisez en filaire via l'USB, la qualité d'écoute sera légèrement supérieure, et d'autant plus vrai si vous écoutez un format sonore non ou moins compressé, comme le format WAV, PCM ou encore AIFF, qui lui est propre à la marque Apple. Là, vous entendrez une belle différence entre un MP3 et un de ces formats beaucoup plus lourds. Je ne dis pas que l'on a ici un casque gaming parfait qui conviendra aux grands mélomanes, je pense même que d'autres casques font beaucoup mieux, mais il fait quand même très bien le travail. Pour ce qui concerne la qualité du micro, je vous laisse juger par vous-même avec ici ma voix directement enregistrée à partir de celui-ci. Et maintenant, je suis repassé sur mon beurre du M1, comme ça vous entendez la différence et pouvez vous faire une idée plus précise. Bref, si je résume, on se retrouve avec un casque très sympa, joli, super robuste, disposant d'un son de qualité sans être non plus le top du top à mon goût malheureusement. On a une utilisation filaire USB ou jack 3.5, plus le sans fil sur différents supports, mais qui d'un autre côté coûte quand même relativement cher. Il a un confort correct sans plus et dont j'ai quand même trouvé la connexion Slipstream très sensible par rapport à d'autres connexions sans fil présentes dans la maison. Du coup, je suis quand même content de mon achat, même si j'espérais au fond de moi un tout petit peu mieux de la part d'un casque de cette gamme de prix. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre très rapidement. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et liker. Pourquoi pas vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vais aller travailler sur de nouveaux formats qui, je l'espère, vous plairont. Prenez bien soin de vous, jouez bien et ciao ciao !